1801, the election of François Mitterrand, first president of the Republic, on changing the politics. It was a left-hand politics. And he decided to have a politics of great project for Paris. And all those projects were made in 8 years, because all was finished before the 90s. We had not only big operations, we had also small operations refurbishing small parts of Paris. I say that the urban strategy is not to leave any pieces of the city on the backyard. So you have the big ones that everybody knows and where you can have developers because it's iconic and it's visible and they can make money, etc. But you have also refurbishing all parts of the city, being very, very attentive just to keep a sort of spirit of the city and the identity. Peut-être qu'elles ont eu un point commun, c'est en 67-70, de s'opposer à l'autoroute dans la ville, ce qui leur permet aujourd'hui d'offrir un espace relativement paisible, en tout cas dans le centre le plus dense de la ville, pour Vancouver, et puis dans ce qui est Paris, dont on connaît la situation de ville-centre sur la totalité de son territoire. Adapter nos villes aux enjeux de demain, ça ne se fait pas de manière spontanée. Et donc je crois que de ce point de vue-là, l'engagement des politiques est essentiel et fondamental, que ce soit en matière de transport, même si on considère que la ville virtuelle nous offre des possibilités en matière de transport, puisqu'elle nous permet de travailler pendant nos temps de déplacement, mais aussi en matière d'engagement de développement durable. D'ailleurs, Vancouver en est la preuve, et Paris aussi. Alors le potentiel de développement de la ville de Vancouver est évident. Enfin, quand on le voit, il suffit de se promener pour voir qu'on a encore des endroits où on a beaucoup de place, downtown et aussi sur le reste du développement évidemment, mais downtown aussi. Alors est-ce qu'il faut tout développer sur le modèle qui a fait le bonheur du skyline de Vancouver tel que Vancouver le vend aujourd'hui, c'est-à-dire les tours podium? Ça je ne sais pas, c'est l'avenir qui le dira et ce sera aux citoyens de Vancouver d'en décider. Imaginez une ville sans enfants, est-ce que ça vous paraît possible? Personne ne va répondre oui. Ça veut dire que non seulement il faut qu'il y ait des enfants, mais il faut qu'on crée les conditions pour accueillir les enfants, et accueillir des enfants, ça veut dire accueillir des familles. Donc effectivement, ça ne se fait pas de manière simple et spontanée, parce que dans les centres-villes ou dans les downtowns, on a plutôt tendance à privilégier des petits appartements ou des grands appartements pour familles riches. Donc il faut que la volonté politique, pour le coup, là, soit extrêmement présente. Et c'est effectivement extrêmement compliqué, mais la question, je vous la renvoie. Vous pouvez imaginer une ville sans vos enfants ou sans les enfants des autres? Peut-être pour certains, mais je ne pense pas pour la totalité.